Face à une économie en dents de scie, rebondir, se réinventer, c'est fondamental. Dans la série « Les petites entreprises qui s'adaptent », Philippe Fabregue et Martin Villaret se sont rendus à Carpentras, chez des spécialistes des produits locaux en bocaux. Émeline et Guillaume sont deux jeunes entrepreneurs installés depuis 3 ans à Carpentras. Ils exploitent une conserverie spécialisée dans les produits locaux d'apéritifs. Touchés de plein fouet par la crise sanitaire, ils ont dû réagir et réadapter leur production. Sollicités par les exploitants agricoles locaux, ils ont conditionné pendant plusieurs semaines poivrons, tomates ou autres aubergines. Ça nous a permis de faire des nouveaux produits aussi, donc c'est très intéressant parce qu'on a élaboré des recettes avec eux et ça nous a permis de faire tourner un petit peu notre ligne de production et de ne pas laisser les machines à l'arrêt pendant cette période. Aujourd'hui, leur société, Olive et Marius, c'est 7 emplois tous conservés pendant ce deuxième confinement. Malgré une baisse d'activité manifeste, ce couple a choisi de la jouer solidaire, avec notamment une profession quelque peu malmenée en ce moment, les chauffeurs routiers. Étant présent une grande partie de la journée ici sur notre site, on a laissé la possibilité aux routiers de se déplacer et de venir s'ils avaient besoin, simplement pour prendre une douche, se reposer un petit peu, avoir une oreille attentive si jamais ils avaient besoin de partager un petit peu leurs soucis de la route ou leur quotidien. Avec le prolongement des fermetures de restaurants et cinémas, principaux clients de cette entreprise, Emeline et Guillaume ont décidé de rebondir en trouvant de nouvelles idées. Pour la fin d'année, justement, on a souhaité proposer aux particuliers, aux professionnels, de venir composer leur panier garni en fait, pour les cadeaux en famille, les cadeaux d'entreprise ou autres, avec des produits de chez nous. Ça va nous permettre aussi, on va dire, de joindre les deux bouts de cette fin d'année. Une chose est sûre, pour ces deux trentenaires, l'adaptation et la remise en question est sûrement une des clés pour la survie de leur société en cette période économique très délicate.